Mais oui, c'est le retour d'Action. Hello les Sunshine, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est un haul Action. Et oui, j'y suis retourné parce que il me fallait quelque chose en particulier, je les ai trouvés et je me suis dit tiens, pourquoi pas vous le faire en vidéo, ça peut être rigolo. Avant, on va demander à notre ami Gogol de nous dire une petite blague, ça peut être sympa. Hein Gogol, dis-nous une blague. Ok Gogol, dis-nous une blague. Une blague, c'est parti. Toto, dis-moi deux pronoms. Qui? Moi? Ah, très bien. Vous avez compris vous? Je sais pas, ou alors j'ai pas bien compris, je sais pas. Bon, c'est pas grave, notre haul Action nous attend, c'est parti. Voilà, Action. Alors, j'avais besoin, j'ai récemment acheté à Nature et Découverte, c'est un magasin, vous savez, qui font énormément de huiles essentielles, de parfums, de thé, d'objets, tout de diverses manières. Bon, Nature et Découverte, c'est des magasins de toute façon qu'on trouve dans la France entière, je pense que vous devez connaître. Et dernièrement j'y suis allé, j'avais pris ce produit de la marque Esteban qu'on trouve en magasin, dans les magasins Esteban, mais Nature et Découverte font aussi, enfin, sont en partenariat avec eux. Et j'ai senti ce parfum, cette eau de parfum, enfin c'est pas une eau de parfum, c'est un concentré parfumé. Oh là là, ça sent trop bon, c'est Copaiba, bois Copaiba. J'ai trouvé ça super et je me suis dit ouais, génial seulement. Alors, pour mettre ça, il nous faut, vous savez, un socle avec des petites bougies pour que ça parfume les pièces. Parce que, ou alors des chauffages, mais enfin, c'est pas encore le moment d'allumer ces chauffages. Donc bon, c'était un peu dommage de ne pas s'en servir de suite. Donc, je me suis dit, je vais passer à l'action et je vais voir si je trouve des socles pour mettre ce parfum dessus, parce que moi je vous savais que j'ai un appareil diffuseur à huile essentielle, mais c'est pas bon pour ces produits là ça il faut absolument, je vais vous montrer. Et j'ai trouvé à Action ce qu'il fallait pour ce produit de chez Esteban qui se présente comme ça. Vous voyez, il sent vraiment très 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 bon. On a vraiment une odeur de fou là, ce truc j'adore. Du coup chez Action, je vous dirai les prix en même temps. J'ai trouvé, regardez-moi ça, c'est très sympa, un petit socle pour mettre donc le parfum dessus et là, une petite bougie pour chauffer. Et j'ai payé ça, une misère, j'ai payé ça 1 euro, attendez voir, 1,29€. Vous rendez compte, 1,29€ avec des jolis cactus, regardez. Bah, je trouvais ça plutôt sympa, j'ai dit, ben voilà, j'ai trouvé par la même occasion. J'ai acheté, bien il me fallait des chauffe-plats. Et ça, je les ai payés 0,97€. Donc ça, j'ai trouvé ça super. Du coup, j'ai racheté à la vanille pour mettre sur le chauffe-plat. J'ai payé ça pareil, 0,97€. Non, un peu plus cher cela, 0,29€. Parce qu'il y a 24, il y en a 24 de pièces à l'intérieur. Mais c'est pas cher. C'est 1,29€. C'est moins de 2€, vous vous rendez compte? Donc ça, voilà quoi. Donc ça, je suis content. Et puis, bah, je me suis laissé entraîner. Vous savez, quand vous allez à Action, bon, alors ce jour-là, il n'y avait pas grand-chose. Hein, ceci dit, je trouvais que les rayons étaient assez vides. Mais j'ai pu trouver pour charger mes appareils. Et ça, j'ai payé ça. Attendez voir, vous allez halluciner quoi. J'ai payé ça 1,69€. Donc une misère. Donc je me suis pris ça pour un portable pour accrocher à la voiture aussi, comme ça. Très très sympa, je trouve il marche très très bien. Je l'ai déjà testé et j'ai payé ça 1,99€. 1,99€. Qu'est-ce qu'on va acheter ailleurs quoi? Franchement, des fois on se dit. Donc c'est pour ça que je suis allé à Action. Je me suis dit peut-être je trouverai des choses intéressantes. Parce que j'avais des besoins, de réels besoins. Je ne suis pas allé à Action pour aller à Action, vous voyez ce que je veux dire. Et puis, comme vous savez que j'adore la beauté, j'adore les soins, visage, c'est mon domaine. Je me suis dit, tiens, je vais aller voir un petit peu ce qu'il y a dans le rayon. Et là, je suis plutôt déçu, pas grand-chose.
sauf quelques masques en nouveauté que je n'avais encore jamais vu et dont je vais vous montrer. Donc, j'ai pris un masque hydratant et ça, ils valent tous 0,99 centimes, 1 euro quoi, en quelque sorte. Donc, j'ai pris celui-ci. Je vous montre. C'est un masque qui hydrate. Il est au bubble gum. Donc, on va bien rigoler. Et, je vais être tout rose, je crois. Visage, je vais être tout rose. J'essaierai de vous faire peut-être un, je sais pas, un crash test. Je sais pas, je verrai si j'ai le temps de vous faire quelque chose sur ça. En tout cas, je vous donnerai mes retours dessus parce que ça peut être intéressant. Donc, c'est un masque prêt à l'emploi. Ils disent bubble gum. Voilà, donc, c'est, puis ils sont très originaux, je trouve. Puis, j'en ai pris deux autres. Eux, ce sont des masques peeling, en revanche. Il y en a un à la, au macaron, Mademoiselle Macaron, qui se présente comme ça. Je trouve ça assez rigolo. Donc, voilà. Et le dernier, le Glitter Glow, qui se présente comme ça. Voilà, 1 euro, j'en ai eu pour le total. Ça m'a fait 11 euros. Franchement, 11 euros, bon, j'ai pas grand chose, c'est sûr, mais c'est pas cher. Donc voilà, c'était mon petit haul action. Bah oui, ça faisait longtemps, mais surtout, je vais pouvoir parfumer mon appartement, pardon, avec ce joli socle à bougie pour mettre, ben voilà quoi, le produit à l'intérieur. Voilà les Sunshine, la vidéo se termine maintenant. Merci de m'avoir suivi. Si la vidéo vous a plu, eh ben, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et puis pour les nouveaux abonnés, n'hésitez pas, ma tête elle est ici si vous souhaitez vous abonner. Et ici c'est ma dernière vidéo. Je vous dis à très vite les Sunshine, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Oh, won't you tell me which way I should find? I've been on the edge such a long time.